vous regardez RTL. Vous êtes là, vous, Ariel. elle est très chic. Hein. Ah, mais je pourrais avoir Ariel et Bernard Henry dans la bataille des couples. Ah oui, tiens, vous feriez cette émission. Mais écoutez, justement, je cherchais ou partir en vacances. Non, pas du tout. Je suis restée à Paris et j'ai décidé d'être une très très bonne maîtresse de maison. Et j'ai voulu faire cuire des artichauts. Ah. Et alors oui. Non, mais dans une cocotte sketch. Et donc il était temps. Hein. Mais je me suis aperçue qu'il n'y a rien de plus difficile. Ah oui. Il n'y a rien de plus facile au monde. Mais non, d'abord, faut-il mettre l'artichaut quand l'eau bout ou pas? Aucune importance. Mais est-ce que tu as découvert la cocotte minute? Mais non, justement, non, mais, non. C'est ça? Alors ça moi, je savais pas que ça mettait 45 minutes. Et donc, c'était des gros artichauts bretons. Oui, c'est vrai, au restaurant, bretons. Tu commandes et ça arrive, alors. Elle ne pouvait pas deviner non plus que ça allait. Parce qu'un artichaut pas cuit, c'est alors pas déjà, bon. Les gros artichauts, j'ai demandé ce qu'il y avait de mieux. Oui. C'est des gros trucs comme ça, avec une grosse tige. Ah bah oui, tu vois. Il faut bien que ça tienne. Mais il faut immense couper la tige. Et puis, c'est très très long de cuire des artichauts. C'est très difficile de savoir quand et ils la sont sauce, cuits. Quelle sauce vous avez proposé avec? Mais alors, non, tout a été raté, parce que je voulais faire des fonds d'artichauts avec des œufs brouillés dedans. Ah c'est oui. une merveille. Ah oui, il faut enlever les poils. Hein. Il alors, faut brouiller les œufs. Alors, impossible d'enlever les poils. Ah. Ah bah, ça se tond maintenant. Hein. Mais non, mais c'est... Donc on avait Humanité, maintenant on a Ariel. Ah, c'est pas le même gabarit. Hein. Non, mais j'étais franchement misérable de ne pas savoir cuire l'artichaut. Oh, j'imagine. Et... C'est la cuisine des mousquetaires. Mais tout de même, Christine a raison, c'est l'autocuiseur. C'est là qui va le mieux. Oui, mais vous l'utilisez donc. Oui. Moi, non. Parce que j'ai jamais su comment il fallait visser. Ah, sauf qu'il regardait su qu'elle t'a envoyé. Ah, mais vous l'utilisez. Le dialogue des cuisinières, Christine O'Krent, Ariel Dombal, je dois dire. Mais Ariel, il y avait une grève de tes majordomes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'était la sanction. Il y a eu un exode philippin. Où ils sont gilets jaunes, peut-être, on ne sait pas. Non, mais justement, il n'était pas là et je me suis aperçue à quel point c'était difficile. Ah, bah oui, j'imagine. Et à quel point il était utile. Alors, du coup, tu n'as pas mangé, c'est pour ça que tu as l'air si fine aujourd'hui. Alors, comme Christine dit qu'elle ne sait pas visser le couvercle, je me permets de lui signaler que maintenant, il se clipse le couvercle. Donc, il faut que je change de cocotte. De cocotte, oui, bah, oui, oui. Vieille cocotte. Alors, si t'achètes un appartement avec moi, je fournis la cocotte. Hein. Ah oui.